Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose cette question que l'on m'a posée ces derniers jours, ces dernières semaines, que j'ai compilée. Et cette question auquel je vais répondre en fonction de ce qui n'engage que moi une fois encore. Donc je vous précise, s'il fallait le préciser, de ne pas forcément adhérer à mes propos, à mes réponses, qui sont jamais que mes réponses, issues de mon expérience personnelle, de mon parcours personnel, mais qui n'est pas forcément le vôtre. Donc gardez votre libre arbitre, maintenez votre esprit critique, critique dans le bon sens du terme bien sûr. Partageons ensemble à l'issue de cette vidéo, comme je vous le propose la plupart du temps, et qui est à votre libre initiative, puisque je réponds absolument à tout le monde, que ce soit par mail ou par SMS ou par coup de téléphone. En tout cas, donc voilà, première question, Brigitte, qui après cette vidéo sur le lit incliné me demande qu'est-ce que j'en pense des bas de contention. Des bas, des chaussettes de contention, prévention, varices. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est une très bonne chose parce que absolument, absolument, tout le monde devrait porter des chaussettes de contention qui arrivent sous les genoux. Quand vous êtes sur des transports assis, prolongés de longue durée, plusieurs heures d'affilée, que ce soit la voiture, que ce soit le train, que ce soit l'avion, que ce soit le bateau, tout le monde devrait porter des bas de contention, des chaussettes de contention. Puisque à titre préventif, ça prévient la détérioration lente, plus ou moins lente, plus ou moins rapide selon les individus, selon les antécédents de santé bien sûr, selon le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que à court terme, après un voyage de plusieurs heures assis, quel que soit le moyen de transport, ça vous évite d'avoir des jambes gonflées, dures et douloureuses, avec la sensation de lourdeur qui est particulièrement désagréable, comme vous le savez, puisque vous l'avez certainement expérimenté. Les chaussettes de contention sont une très très bonne chose. Je rappelle que c'est remboursé par la Sécurité sociale, quasi à 100%, entre Mutuelle et Sécurité sociale, c'est quasi remboursé complètement. Vous avez plusieurs marques, Varisma, Legger et d'autres. Personnellement, j'ai une préférence pour Legger, puisque ce sont celles que j'ai adoptées depuis toutes ces années. Systématiquement, quand je prends l'avion, par exemple, je prends des chaussettes de contention. Parce que c'est le confort. Alors, ce sont aussi des chaussettes plus que des sockets. Chaussettes-sockets qui sont plus ou moins fines ou épaisses selon la marque, mais qui vont vous donner, même en été, une sensation de fraîcheur quand bien même vous les portez pendant plusieurs heures. Vous ne transpirez pas plus que ça. Donc ça ne donne pas une sensation de chaleur, ça ne donne pas une sensation de constriction plus prononcée que ça. Évidemment, il y a des personnes qui ne supporteront pas. Mais à titre de préserver son capital veineux, lymphatique, artériel bien évidemment, et aussi énergétique, tout le monde devrait utiliser les chaussettes de contention à titre préventif. Bien évidemment, il existe des chaussettes de contention à titre, et même des collants qui arrivent au niveau du haut de la cuisse à titre thérapeutique. Ça veut dire que si vous avez fait un accident de phlébite, par exemple, eh bien, ou que vous avez été opéré des varices, vous allez porter pendant plusieurs jours ces contentions hautes, mais qu'il ne faut absolument pas enlever avant la fin de la prescription, sous peine peut-être, au risque peut-être, et là c'est plus ou moins gravissime, de décrocher un caillot sanguin dans le circuit veineux qui va remonter jusqu'au poumon avec la circulation de retour, circulation veineuse de retour, et potentiellement vous provoquer un œdème aigu pulmonaire, un OAP, et donc c'est potentiellement la mort assurée. Donc je vous dis ça parce que j'ai eu une stagiaire, pour ne pas la nommer, salut Nathalie, qui était venue en formation massage californien, suédois, et qui avait enlevé ses chaussettes, enfin ses protections contention hautes,
pour se faire masser toute la journée. Et malgré lui avoir demandé s'il y avait des antécédents, et en fait tout allait bien pour elle, et plusieurs jours après de m'avoir dit ça me cassait les pieds, je voulais les enlever, je suis sous traitement de phlébite, je devais les garder, j'avais pas envie, il faisait beau, il faisait chaud, on était ensemble en groupe. Et là, je me suis un petit peu énervé avec elle parce que c'est pas très raisonnable. Donc, si vous êtes en contention thérapeutique, ne jouez pas avec votre santé, c'est très important. Vous pouvez évidemment porter à loisir ces chaussettes basses à titre préventif, et plus vous les portez, mieux c'est. Vous pouvez aussi les porter en hiver, en automne, au printemps, selon comment vous êtes vêtu, de manière à ce que vous entraîniez le capital veineux de retour, rééduquer les veines à remonter le sang vers le tronc, vers le haut, et ainsi, grâce à cet entraînement hors saison, et bien en pleine saison, en été, vous pouvez les enlever, mettre des shorts, des robes, des jupes, etc., etc., maillot de bain, et vous apprécierez de ce que vous aurez fait hors saison et tout le reste de l'année pour entraîner le corps à mieux faire circuler le sang en retour veineux. Après, il y a deux choses à rajouter, c'est que vous avez découvert récemment le principe du lit incliné. Donc si vous avez des antécédents veineux lymphatiques d'insuffisance type jambes gonflées, dures, douloureuses, à type de varices, par exemple, plus ou moins avec varices, eh bien pratiquez le lit incliné, la position basse au niveau des pieds et non pas de la tête. Position basse au niveau des pieds, la tête surélevée, entre 10 et 15 cm de différence, 5 degrés d'inclinaison, et vous allez vraiment de façon passive, pendant que vous dormez, rééduquer la circulation veineuse et lymphatique, sanguine, veineuse, lymphatique et sanguine en retour. Donc c'est vraiment très très appréciable et ça fait vraiment du bien. Autre élément par rapport à la question de Brigitte, ce que je pense des chaussettes de contention, c'est qu'il est dit que ça coupe de l'ancrage à la terre, de la circulation énergétique à la terre. J'en ai beaucoup utilisé, beaucoup porté de ces chaussettes de contention. Je ne l'ai pas forcément remarqué, ça ne m'a pas forcément été préjudiciable, bien au contraire. C'est simplement le temps d'un transport pour votre confort au niveau de la fraîcheur et de la santé globale de vos jambes. Quand vous avez terminé votre transport, vous les enlevez. Voilà. Bien évidemment, les chaussettes de contention, prévention, thérapeutique, c'est très bien, mais n'oubliez pas l'hygiène de vie. L'hygiène de vie quant à gérer une bonne santé et entretenir une bonne santé des jambes, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Si vous continuez de croiser les jambes au niveau du genou sur genou, et d'écraser l'artère poplitée qui est sous le genou, eh bien vous entretenez une mauvaise circulation sanguine, lymphatique, et donc potentiellement vous entretenez, voire aggravez, de l'insuffisance ou des varices. Enfin, pour répondre à Brigitte, possibilité d'élargir la question, c'est de regarder, de revoir cette vidéo sur l'ancrage, comment s'ancrer, ce qui est fondamental. Plus vous prenez soin de vos jambes en termes de prévention de l'insuffisance veineuse lymphatique et de toutes les complications type varices, par exemple, et d'autres, plus vous favorisez une circulation sanguine et lymphatique au niveau des jambes, plus vous favorisez une circulation, libre circulation de l'énergie, du prana dans les jambes. Plus vous pratiquez l'ancrage à la terre, plus vous vous reliez à vos jambes, en conscience, énergétiquement, jusqu'à la terre, plus vous favorisez inversement la circulation sanguine et lymphatique. Pour les personnes qui souhaitent élargir la question de l'ancrage à la spiritualité, je vous invite à voir ou à revoir cette toute récente vidéo sur ancrage et spiritualité. Et bien évidemment, je vous propose aussi de vous offrir de vivre cette méditation guidée pour un puissant ancrage.